Avec ce bureau, bonjour. Bonjour, mon père. Tant que nous avons suivi le déroulement de la célébration la messe matin, hein, qui est très symbolique de par lui-même, nous avons une célébration qui invite nous pour nous intérioriser nous davantage, pour nous capables de rentrer dans une intimité qui est plus profonde avec mon Dieu grand maître là, pour nous capables d'agir sous la mouvance de l'Esprit Saint. C'est, je dis à ces fêtes, la Pentecôte. Et dans la fête de la Pentecôte, là, nous célébrons la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. Et l'Esprit Saint, ça, qui est venu sous apôtres, le jour de la Pentecôte, là, c'est dans bon Dieu papa et dans bon Dieu petit, là, qui sorti. Et c'est raison ça qui fait que c'est même l'Esprit ça qui continue à animer l'Église Lia, qui continue à guider l'Église Lia jusqu'à date, jusqu'à moment que nous avons parlé là matin. Faites la Pentecôte là, qui côté les sorti? Les nous dit Pentecôte, et tant que nous t'attendons dans les commentaires, nous fêtons les 50e jour après Pâques. Mais si je dis à nous gagner fête Pentecôte dans l'église nous que nous fêtons comme Pentecôte chrétienne, si nous sommes capables de dire comme ça, qui commençait même jour ça tout que l'Esprit Saint descend sous apôtre de la part de Dieu le Père et du Fils, eh bien, faites Pentecôte là, l'été déjà gagné des sucreries dans l'Ancien Testament. D'abord, gagné en pile réflexion qui fait pour montrer que avant Pentecôte chrétienne, tu gagné ça qui nous Pentecôte païenne. Ensuite, Pentecôte juive, pour nous tomber dans Pentecôte chrétienne. Si nous avons essayé de faire allusion à Pentecôte païenne, Pentecôte comme étant fête des païens, et nous avons que, eh bien, tu gagné ça qui est fête des moissons. Fête des moissons, ça, et. Il était quand duré environ 7 semaines. Eh bien, pour païen yo, te récolter ça que yo te planté dans terre. Ça veut dire depuis période ça arrivé, c'était fait parce que gagne la moisson, gagne récolte qui a fait. C'est comme si c'est bénédiction qui a tombé. Et voilà que c'est dans une même période, côté païen a fait et fait ça, que bon Dieu lui-même lui baille Moïse table la loi qui censé joindre point névralgique à travers les 10 commandements sur le mont du Sinaï. En créole, on dit Sinaï tout. Ça veut dire Pentecôte juive là, Pentecôte païenne là, il vient coïncider avec Pentecôte juive là, puisque c'est dans la même époque ça, côté que païen, côté qu'on a fêté, fait moisson, fait des semaines, que, eh bien, bon Dieu lui-même, eh bien, fait intervention lui, pour lui te léguer à Moïse sous mon Sinaï, ça qui nous relève les tables de la loi. Et c'est ça que fait,
Les noirs fêtent et fêtent Pentecôte par nous, qui c'est la Pentecôte chrétienne. Nous pensons tout à la Pentecôte juive. Faites ça, que vous célébrez chaque période, que vous songez. Eh bien, bon Dieu dans ciel là, te bail Moïse, les tables de la loi, les 10 commandements, le décalogue pour être capable de transmettre respect Israël là. Donc, ça veut dire, Pentecôte là, ce n'est pas une invention de l'Église catholique, ce n'est pas une invention de chrétiens, mais c'est une fête en quelque sorte, je dis bien en quelque sorte, qui était déjà là depuis l'Ancien temps, depuis l'Ancien Testament, depuis avant même que Jésus-Christ ait commencé à exercer le ministère public sous terre. Et nous redis encore, nous sommes dans l'Église là. Nous célébrons 10 jours après fête l'Ascension et 50e jour après fête Pâques. Si fête Pentecôte chrétienne, non, fête Pentecôte que nous avons fêté aujourd'hui, rappelez-nous la Pentecôte juive et que nous avons tout élément qui parlait de fête ça et dans Exode chapitre 19, verset 16 à 19, côté bon Dieu lui-même. C'est bail commandement à Moïse et il explique nous qui genre toute bagaille t'est passé. Il parlait nous du buisson ardent, ça veut dire un pied bois qui t'est prend du feu, t'est gagné gros voix qui t'a parlé avec Moïse à travers pied bois ça qui t'a prend du feu. Côté Moïse t'est retiré sandales en pied pour t'être capable approcher lui. Eh bien, de pied bois ça qui t'a pris du feu, et voit ça qui te se voit, papa bon Dieu qui est dans le ciel là. Eh bien, nous sommes dans Pentecôte chrétienne, non, qui Jean s'est manifesté, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui est tombé sous apôtre sous forme de langue de feu. Et Pentecôte chrétienne, non, que nous avons célébré, il n'y a pas rappelé nous seulement. Et la Pentecôte juive. Mais nous rappelons tout l'événement de Babel. Nous parlons de l'événement de Babel. Nous songeons dans l'Ancien Testament. Eh bien, nous avons besoin de défier bon Dieu. Nous avons besoin de voir qui ça qui a passé en l'air. Et c'est comme ça que nous avons commencé à mettre tête ensemble pour nous faire un gros tour. C'est ça que la tour de Babel. Pour faire un gros caille, pour mettre étage sous étage, pour regarder qui gens sont capables de arriver. Est-ce que sont capables de arriver pour voir qui ça qui gagne en l'air? Et nous connaissons par la suite qui ça qui t'est passé. Pouvoir, mon Dieu, te permettre caille ça, craser. Et puisque c'est parce que tu parles la même langue qui fait que tu as une opportunité pour vous. Eh bien, fait nous capable de solidarité dans le mal pour y aller défier mon Dieu. Eh bien, qui s'est passé? Les cas la fin crasé, yo tout, yo te mette à parler dans langue différente, yo n'est pas capable de comprendre l'autre. Et c'est comme ça, vient gagner ça que nous relé la diversité. Babel rappelez-nous la diversité, mais Pentecôte chrétienne non, il rappelez-nous l'unité dans la diversité. Ça fait ça, c'est parce que dans Pentecôte chrétienne, non, nous est et dans premier mot sur la Bible là, Luc dit nous, eh bien, tu gagné toute qualité monde qui t'est sorti tout côté pour te venir Jérusalem dans occasion, eh bien Pentecôte juive. Mais c'est en même temps ça tout Pentecôte chrétienne dans tout manifesté. Et qui s'arrivait passé, l'Esprit Saint tombé sur apôtre, il était tombé à parler dans la langue étrangère qui t'est venu là, et étranger te comprendre ça que vous avez dit. Ça veut dire, avec Pentecôte juive là, vous êtes capable de dire une restauration de l'événement de Babel. À Babel, vous avez une diversité qui te permet de ne pas comprendre l'autre. Mais dans Pentecôte chrétienne, non, et bien, apôtre vient à parler dans la langue étrangère, vient faire que les gens qui étaient sortis de l'autre côté, qui étaient venus de Jérusalem, non, vous êtes arrivé à comprendre. Eh bien, qui ça, apôtre t'a dit? Parole, eh bien, qui t'a dit pour juifio,
Ces paroles ça monde qui t'est sorti Mésopotamie t'attendait dans langue pa yo. Ces paroles ça monde qui t'est sorti Mède t'attendait dans langue pa yo. Ça veut dire même parole bon Dieu, même parole ça l'Esprit Saint te bail apôtre yo. Eh bien opportunité pour juif yo comprendre. Dans même période ça tout, li fait monde qui sorti l'autre côté yo tout comprendre parole bon Dieu. Parce que nous pas oublier que et fête Pentecôte là c'était une fête de pèlerinage que était hier et même Jean premier mercredi les monde sorti tout côté Jean Rabel tout côté pour venir dans Tobek. Et bien Pentecôte juive c'était une fête côté que la fête monde sorti tout partout dans tout pays pour venir dans pèlerinage à Jérusalem. Et bien c'est dans même période ça tout. Et bien bon Dieu Jésus-Christ tout profiter pour faire tout monde ça qui sorti tout côté. Et bien pour y avoir accès à la parole de bon Dieu, pour y avoir accès eh bien, à témoignage de l'Esprit Saint. Et c'est ça qui fait permettre que l'apôtre parle dans la langue pour que les gens qui sont dans l'autre pays soient capables d'arriver à comprendre. Et pendant que les chrétiens tout permettre une prophétie réalisée, qui c'est la prophétie de Joël, que nous jouons dans le livre Joël, chapitre 3, verset 1, côté Joël Tabdi, il a sorti tout côté. Pour yo vinn comprendre parole bon Dieu. En bon français, il dit comme ça et je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Or, c'est pas seulement les juifs qui sont des êtres de chair, mais également tout si là ça yo qui t'est sorti tout partout pour venir à Jérusalem, c'est des êtres de chair que yo et tout. Yo même tout, yo t'ai besoin pour l'esprit bon Dieu à répondre sur yo. Et bien avec Pentecôte chrétienne non. Eh bien, prophétie Joël, ça, lui, tout rivé réalisé. Donc, si nous avons essayé de faire une récapitulation de ça que nous sommes dit en ce qui concerne sens, symbole, que fait la Pentecôte la gagné, nous capable de dire en quatre points. Premièrement, fait la Pentecôte là, c'était une fête qui était la fête de la moisson. Ce n'est pas un qui était fêté en pile, les que vous avez fait récolte. Et récolte ça a été quand duré 7 semaines. Et c'est ça qui fait durer les fêtes la Pentecôte, la fête des semaines. Et si nous comptons, après 7 fois 7 égale 49, après 49 là, c'est seulement un grand jour qui manque pour arriver, eh bien, 50 jours. Et nous avons fait Pentecôte, fête 50e jour après Pâques. Deuxièmement, fête Pentecôte chrétienne, fait nous penser à la Pentecôte juive. Pentecôte juive là, qui ça le dit, eh bien, c'est dans la même période ça, côté païen, côté quand fait tes fêtes de la moisson ça, que eh bien, bon Dieu grand maître là qui c'est Yahvé, l'été bail Moïse les 10 commandements, mais les tables de la loi pour être capable de transmettre respect Israël là. Et tout événement qui manifestait pendant Pentecôte chrétienne là, côté l'Esprit Saint descend sous apôtre sous forme du feu. Et puis, il y a un événement ça, qui symboliquement tout est manifesté pendant Pentecôte juive là. Alors, pendant que eh bien, Moïse a recevé 10 commandements sur Mont Sinaï, par exemple, il y a un pied bois ça, qui te prend 10 feux. Dans la langue française, le buisson ardent. Il y a un gros voix qui t'a sorti dans le ciel là, qui se voit Papa Bon Dieu, qui t'a parlé avec Moïse. Et Moïse, en signe de respect pour Bon Dieu. Avant l'ital recevoir table la loi yo, il te retire sa patte dans pied pour te avancer, te gen mon nan qui t'a tremblé. Eh bien tout bagage ça yo, eh bien Pentecôte chrétienne nan, li rappeler nos bagage ça yo tout, puisque symboliquement gen événement ça yo qui censé manifester dans Pentecôte chrétienne nan, puisque gen du feu qui descend sur apôtre yo et gen voix qui parle tout ensemble avec yo. Troisièmement, Pentecôte chrétienne nan li fait nous penser à l'événement Babel là. À Babel, te gagné moun yo qui eh bien nan entêtement yo, yo t'ap cherché garder qui ça qui gagne en l'air. Yo t'ap cherché garder pour yo, yo pas ka comprendre gagne un bagage en l'air, gagne ciel là, yo vle joindre avec bon Dieu. Puisque bon Dieu ba une intelligence, eh bien yo mal servi avec intelligence ça, yo vle défier bon Dieu, vle joindre avec bon Dieu. Eh bien, bon Dieu crase Kaïsa que vous avez monté là. Et puisque vous tous vous parlez la même langue, bon Dieu vient faire que vous chaque parlez une langue différente,
et yon pas capable comprendre l'autre. Et c'est ça qui fait venir gagner une diversité entre eux-mêmes, ils sont pas capable mettre tête ensemble encore pour te réaliser grand chose. Et Pentecôte chrétienne dans fait nous penser à événement ça dans quel sens? C'est parce que eh bien dans Pentecôte chrétienne non, eh bien moun yo vinn a parler langue différent, yo pas parler langue différent, peut-être pour yon pas capable comprendre l'autre pour pas mettre tête ensemble pour faire ça que t'a fait non, mais yo parler langue différent. Peut-être pour que moun qui va parler langue juif yo, qui va parler langue hébreu ya, et bien peut-être pour moun sa yo capable comprendre qui ça qui t'a privé fait là. Et apôtre alors évangile évangéliste Saint-Luc dit nous gen moun qui t'est sorti dans une zone qui relait Pâtre, gen qui t'est sorti Med, gen qui t'est sorti Élamite, gen qui t'est sorti tout Mésopotamie, gen qui t'est sorti Cappadoce, la Judée. Ça veut dire tout le monde s'est en pèlerinage à Jérusalem. L'événement Pentecôte chrétienne, lui-même, il était réalisé. Et quatrièmement, nous dit, eh bien, Pentecôte chrétienne, lui permet prophétie. Ça qui était gagné depuis l'Ancien Testament, dans le livre de Joël. Prophétie, ça qui nous entendait dans la bouche du prophète Joël. Côté lui dit, bon Dieu gagné pour le répandre sur tout être de chair, sur tout le monde. Eh bien, l'esprit là, et bien, prophétie ça, l'irrivé réalisé jour la Pentecôte chrétienne, non. Puisque jour ça, tout le monde qui était sorti dans l'autre pays pour venir dans le pèlerinage à Jérusalem, par l'entremise à Potio, il a bénéficié de la grâce du Saint-Esprit de Dieu. Ça veut dire, frère avec ce mio, faites ça que nous avons fait aujourd'hui. Si nous t'apprenons pour nous parler de lui, nous, pas eh bien, rivé fin parler de lui pendant 2 heures de temps que nous avons passé ensemble, plus ou moins dans la messe là, matin. Qui ça, fait la Pentecôte là, doit faire nous comprendre nous-mêmes chrétiens. Ça veut dire, l'esprit ça, que bon Dieu papa, avec bon Dieu petit là, te voyé sous l'esprit au jour la Pentecôte là, c'est même l'esprit ça qui continue à animer l'église là jusqu'à aujourd'hui. Nous, évangéliste Saint-Luc, dans la première lecture, il explique nous, dans la façon de parler, qui Jean, et bien, événement est passé. Alors que l'apôtre Saint-Jean, dans l'évangile, nous sommes écoutés, il n'a pas trop de détails. Il seulement dit, eh bien, Jésus rentre dans la caille, côté yote yéa, lui dit yo, qu'est posé pour yo. Même Jean, papa, voyez là, c'est qu'on s'allie même tout, lui voyez yo tout. Avait dit Jésus qui a parlé avec apôtre lui yo. Et pendant la petite salle, il dit yo, recevoir souffle l'Esprit Saint. Depuis nous pardonner péché au monde, péché va pardonner. Depuis nous laisser péché au monde sans lui pas pardonner, péché va prêter sans pas pardonner. Ça veut dire, je ne j'ai dit à apôtre ça yo, Jésus te dit parole ça yo, mais yo pas là encore en chair et en os. Et c'est l'église là par l'entremise de nous-mêmes qui a continué mission apôtre yo. Et c'est ça que fait nous dit, c'est l'Esprit Saint qui a agi à travers l'église là. Mais là nous dit l'église faut nous toujours mettez en application parole ça que nous on dit dans slogan ou bien dans thème ça. Elle nous dit nous c'est l'église c'est nous. Donc l'église là, il pas résumé seulement à l'église sur le plan institutionnel, à l'église hiérarchique. On parle de l'église hiérarchique, nous le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, OK? Mais l'église là, c'est l'église de communion également. Ça veut dire tout fidèle, tout le monde qui est baptisé dans l'église là, eh bien, nous, c'est l'église. Donc, là, nous dit l'église là a continué mission à apôtre. Ça veut dire c'est nous tous ensemble qui a continué qualité mission ça. Et chaque monde qui a continué mission ça, de façon pâle. Là, nous dit de façon pâle, c'est parce que nous connaissons l'Esprit Saint. Li bay en pile don. Parmi tout don sa yo, gagne 7 yo officialisé. Gagne le don de l'intelligence, le don de la sagesse, don de force, don de science,
dans de piété, dans de conseil, dans de crainte de Dieu. Nous disons officialiser certes, c'est parce que il y a un pile l'autre dans toujours qu'il y a un monde capable de gagner dans lui qui pas inscrit parmi sept dans ça mais qui déboule en quelque sorte de youn dans dans ça. Donc dans ce ça dans l'église là chaque monde gagne don pa yo. OK, mais puisque eh bien l'Esprit Saint il a cherché unité dans la diversité, eh bien dans ce ça chaque monde qui gagne dans l'église là il a metté don pa yo, charisme pa yo, ensemble avec charisme par l'autre là pour nous faire l'église ensemble. Donc nous capable poser cette question ça matin, est-ce que des fois l'église là, l'aime dit l'église là, m'pa parler de l'église Jésus-Christ a fondamentalement parlant, mais m'a parler des gens qui forment l'église. Est-ce que des fois nous mêmes qui formons l'église là nous arrivons à comprendre réalité ça? Est-ce que nous arrivons à comprendre réalité ça côté que chaque monde gagne un charisme par yo, gagne un don par yo, et que chaque monde a mette charisme par yo, don par yo, yon ensemble avec l'autre pour que nous capables faire l'église ensemble, pour que nous capables continuer mission Jésus-Christ ensemble. Nous ajoutons aujourd'hui et gagne un monde qui a propose et grand être yo, mais tout ça qui gagne par exemple quel que soit dans domaine que vous avez évolué, vous pas besoin de mettre dans la tête tout, c'est parce que vous allez à l'école ou faire vos études qui fait ou gagne possibilité pour faire. Certes, vous contribuez dans ça puisque vous étudiez, faut vous étudiez pour l'esprit à capable agir tout bon vrai à travers vous-même. Mais tout ce que vous faites qui est positif dans la vie, mais c'est l'esprit bon Dieu qui a une opportunité pour réaliser lui. Je ne veux dire par exemple, nous avons appris technologie pour faire toute qualité bagay mal ensemble avec lui. Yo fait ça revenir ensemble avec lui. Yo utiliser technologie et pour yo dévier jeunesse là, yo utiliser technologie pour yo présenter toute bagay qui gen rapport à Satan dans monde là. Mais faut ne pas oublier que eh bien les grands professionnels de la technologie, OK? Et monsieur ça Mark Zuckerberg qui fondé Facebook, OK? Et tout nèg qui font créer tout gros logiciel qui gagne yo, mais c'est l'esprit bon Dieu oui qui agit à travers eux même qui ba yo don de science, don d'intelligence pour que yo capable travailler pour faire toute invention ça yo pour mettre yo au profit de l'humanité. Et si un monde fait ça, ou pensez que eh bien on va gonfler colère tout c'est parce qu'on fort, c'est parce que on travaille pour ça qui fait eh bien on capable bail toute opportunité ça qui fait le monde capable bénéficier des bagages ça on a même et ou gon bagage ou pas comprendre, on pas comprendre rien dans rien. Si bon Dieu pas de bon opportunité pour te gagner intelligence ça ou pas t'a gagner lui, alors c'est eux même qui plus gagne chance passer tout le monde qui fait, c'est eux même qui a fait tout bagage ça yo? Non, bon Dieu bail chaque monde possibilité pour réaliser dans le domaine par. Bon Dieu, bah, chaque monde pour intelligent dans le domaine par. Et c'est ça que fait chaque monde dit un tel sort, surtout pour professeur. Pas jamais dit aucun élève sort, tout élève intelligent. Ou bien doit pas intelligent dans ça, mon intelligent dans l'autre bagaille quand même. Ou bien doit pas fort dans ça, mon fort dans l'autre bagaille quand même. L'essentiel, c'est pas battre pour intelligent dans faire ça qui mal. L'essentiel, c'est pas battre pour intelligent et pour fort dans faire ça qui mal. Par exemple, l'Esprit Saint bail moun le don de l'intelligence, mais ou pas capable et apprendre don intelligence et pour aller faire moun tourner zombie, pour aller lever moun qui mourit. Là, ça c'est pas l'Esprit Saint qui a pas agi ça, là c'est l'esprit du mal, l'esprit du mauvais qui agit ça. OK? L'Esprit Saint bail moun don pour gagner un paquet de capacité. Mais ou pas capable, eh bien, ou comprendre que don ça que vous avez en roi, ou pour l'utiliser pour faire bagay qui pas bon. L'Esprit Saint pas bail moun don pour moun prêter marcher par les moun mal tout côté qu'on veut. OK, du bon don pour parler moun bien. L'Esprit Saint pas bail moun don pour que eh bien, frère là, de pour elle son ennemi que ouais, de pour elle ou quand à la défensive ou sous goumé. OK, même si pas sous goût mais physiquement mais psychologiquement dans l'esprit on bonne bail qui a passé ou dégoûté ou pas vle wel. Et puis yon moun ou quitte sentiment ça va traverser, c'est moun que ou est capable river mais tout de suite ressaisi ou. Mande bon Dieu pardon, dit bon Dieu, pas quitter malaise arriver et
petit temps ça que nous avons vu sous l'IA, tout bagaille, c'est passé à passer. Nous, qui j'aime, on a appelé de mourir tribord par bord. Quand on a la même coronavirus, eh bien, a redoublé avec force dans le pays. Nous. Donc, pas de quoi là, aucun monde a cherché à compliquer les bagailles. Des fois, nous compliquer les bagailles trop. Si ton gagne pour faire pour vivre, ou pas même quand tu vas le ton pour le faire pour vivre, et pour le titre de va faire sous terre, ou puis j'ai pas de quoi, faut que tu aies X, faut que tu aies Y, faut que tu aies Z. Et ou vivre ensemble avec le monde dans la communauté, ou pas arranger pour vivre, ou puis j'ai cherché problème de tout côté. Des fois, on pense, et l'autre là seulement a pas de problème. Mais en réalité, on pense que ça a pas de problème, parce qu'on vient pas en paix avec l'esprit. Des fois, il y a des gens qui préoccupent pour faire l'autre monde mal. À force que vous préoccupez pour venger de l'autre monde, pour tirer revanche, ou pour orgueil, pour faire un bagage, finalement, vous êtes esclave de l'orgueil, ça, ou anéanti tête, ou pour votre copain, psychologiquement et même moralement parlant, ne sont pas même rendus compte. Ça veut dire, on ne pas compliqué, et bagaille. Donc, l'Esprit Saint, ça, qui prend nous toutes et nous chaque opportunité pour nous mettre le charisme, l'idole au service de l'autre, c'est l'Esprit Saint tout. Qui voulait agir à travers nous-mêmes. Et nous prenons l'église là, par exemple, eh bien, conseil de bagailles, et jeune à faire là, grand monde ne va pas faire. Et même si on met des bâtons sur moi là, il faut que nous acceptions ça. Et caméra ça, à Benskembe là, il a filmé, le monde a regardé tout ça, bagaille ça, conseil de grand monde qui là, ou pas faire. Il faut aider pas lire, il faut accepter ça, pas faire. Même j'en tout, à Bens, l'autre jeune qui là, tout, faut nous accepter qu'on va essayer des bagages. Grand monde nous connaît dans l'église, nous ne pouvons pas faire. Et c'est ça qui fait, chaque monde a mis ça que nous connaissons ensemble avec l'autre là. Et bien pour que l'église là pousse l'Esprit Saint qui agit tout bon vrai à travers lui-même. Maintenant, enfin avec ce mieux, et sans nous pas parler en pile, en nous demander bon Dieu qu'on mette là pour l'Esprit là agit tout bon vrai à travers nous-mêmes. Mais pour l'Esprit bon Dieu capable d'agir tout bon vrai à travers nous-mêmes, il ne faut pas faire obstacle à l'Esprit. Nous dit obstacle, c'est là que, par exemple, l'Esprit a voulu pénétrer dans nous-mêmes, mais nous ne voulons pas quitter l'Esprit à faire travailler dans nous-mêmes. Par exemple, depuis le jour baptême, nous tous et nous chaque qui là, nous recevons l'Esprit Saint. Mais l'Esprit ça, et nous faisons première communion ensemble avec lui, nous militons dans l'église là. Mais nous sommes capables de poser notre question, ça, combien de fois, combien de pourcentage de fois c'est l'Esprit qui agit à travers l'action posée à travers la parole moi? Combien de fois je sens que c'est l'Esprit Saint qui a agi à travers moi-même, tout bon vrai? L'Esprit ça que nous recevons, je baptême nous, hein? Et dans la confirmation nous, pour les gens qui confirment, et il confirme toujours, nous retournons recevoir la puissance. Moun ki père, moun ki évêque, nous recevons l'ordination, tout ça. Moun ki marié, nous chantons le chant à l'Esprit Saint pour nous, et position de l'Esprit Saint pour nous, dans le mariage nous. Ça veut dire l'Esprit ça, il là, il a marché derrière nous, il a flatté nous, il voulait pour que c'est lui-même qui agit à travers nous-mêmes. Mais en pile fois, il y a des gens qui ont couru quitter l'Esprit Saint derrière, l'Esprit Saint mettait côté à côté, c'est l'Esprit du mal qui vous agit. Ça veut dire ça, moun nan censé faire obstacle à l'Esprit Saint. Or, si vous avez plus place à l'Esprit mal là ou même que l'Esprit Saint, c'est sûr et certain, vous avez donné un partisan Satan. Mais si vous avez l'Esprit Saint plus place, vous avez donné un partisan Jésus-Christ. Moi, je dis plus place, nous avons supposé dire pour nous pas bailler l'Esprit mal la place du tout. Mais on ne peut pas tête nous mentir ça. Nous connaissons, c'est le monde qui est fragile à cause des faiblesses. Nous, Jean, apôtre Paul dit dans le deuxième mot sur la Bible là, des fois nous voulons faire ça qui est bien, mais c'est mal là, inconsciemment, involontairement, qui agit à travers nous-mêmes. Et c'est la prière pour nous, la prière pour que eh bien, ça ne pas arriver ou bien ça ne pas tourner en habitude dans la vie. Nous. Ça veut dire, nous avons besoin de la prière pour l'Esprit Saint, eh bien, capable de rentrer tout bon vrai pour que la vie ne pas tourner en obstacle à l'Esprit Saint. Il y a tout. Il n'a pas fait obstacle à l'Esprit Saint, non, mais il a dribblé l'Esprit Saint. Il dit dribblé, en créant, nous sommes capables de dire dribble. Là, on joue football, ou bien on dribble. Ciao! Ok? Ça veut dire, l'Esprit a, non, ou même oui, mais c'est comme si Mdadou, ou a fait maounage à l'Esprit Saint. Ou voulez dribbler lui.
ou bien qu'on est, eh bien, dans l'église là, c'est l'unité de la diversité, dans l'église là, c'est service, ou bien qu'on ça, oui, mais on propose ou pas qu'on ça, et on va faire bagaille pas, laisse ça, on va dribbler l'Esprit Saint. Donc, maintenant, frère, avec ce mieux, en nous, moi, de bon Dieu, quand mettre là l'Esprit ça, qui vous agit à travers nous-mêmes, et qu'on ça, nous toutes et nous chaque qui là, nous va conscient de mission nous, comme disciples missionnaires de Jésus-Christ. Et comme ça, même Jean apôtre qui a commencé qualité mission ça, nous va continuer lui, nous va mettre empreinte par nous, touche par nous là dans lui pendant petit bout de temps ça que nous a fait sous terre et nous demander toute bagaille ça dans nos papa avec petite là avec les soucis. Amen.